Et bienvenue sur la chaîne de The Nougatine pour un nouveau rendez-vous sur le Kabash Blaster. Pour une nouvelle fois, une vidéo où je vais présenter un yokai en particulier parce que ce yokai là, forcément, vous le voyez à l'écran et même vous l'avez vu dans le titre. C'est un yokai qu'on ne voit pas souvent, voire même jamais, parce que c'est vrai qu'il est pas si fou que ça. Même avec la manière de le jouer que je vais présenter aujourd'hui, c'est pas le meilleur de sa catégorie, on va dire. Parce que c'est un des yokai qui peut se jouer avec l'âme sournoise étant donné qu'il a hâte de disparition. Donc ce yokai c'est mon merci comme vous l'avez vu. Donc mon merci on l'a au bingo cage, je sais plus exactement avec quelle pièce, c'est l'une des pièces voyageuses de la façon. De toute façon il y en a plein sur le site des QR codes. Donc de toute façon vous en scannez plein de chaque et puis vous allez tout finir par tomber dessus. Alors mon merci c'est un yokai qui de base a beaucoup d'esprit parce que l'esprit qu'il a ici c'est l'esprit qu'il a de base. Enfin, en plus il est niveau 66 le mien. Mais si je le présente c'est parce que je l'avais beaucoup joué il y a longtemps. J'avais même pas encore cette chaîne YouTube quand j'ai commencé à jouer. Pour ceux qui me suivent déjà sur mon ancienne chaîne, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais je l'avais présenté sur mon autre chaîne. Et voilà. Et là du coup je vais le présenter sur cette chaîne là cette fois-ci. Donc mon merci, il a. Vraiment c'est un des yokai qui peut se jouer physique mais qui a beaucoup d'esprit. Enfin, on va dire que je pense que c'est même le yokai qui a le plus grand écart entre l'esprit et la force qui peut se jouer physique, on va dire. Parce que il a 62 forces. Bon là il a concasseur mais bon vous enlevez 400 ça fait 60. Et en esprit il a 166, donc vous voyez quand même qu'il y a 106 points d'écart. Mais mon merci peut se jouer physique juste grâce avec acte de disparition. Bon sinon je vous montre les autres attaques qu'il a aussi, hein. Il a tremblé. Mais tremblé c'est vraiment une attaque qui est pas super folle. Hein. De toute façon un jour, je ferai une vidéo sur les meilleurs éléments du jeu. Et vous verrez que le type, on va dire le type roche dans le jeu, c'est vraiment pas un super type. Donc du coup je le joue âme sournoise, donc on va faire super gros loss et ultra gros loss. Ok bon les petits chargements. Après du coup on va essayer de rejoindre, on va essayer de voir s'il y a des gens qui jouent. Ou alors des gens qui ont leur session libre en tout cas on va dire. Donc il est niveau 66 donc les dégâts seront peut-être pas super fous. Ouais non. 260 par là et avec 2000. Bon c'est pas mal. Bon mon merci est aussi très lent. Il a pas d'attaque d'esquive. Même si acte de disparition, ça le permet de pas forcément être ciblé. C'est cool, mais si vous êtes tout seul, vous serez quand même ciblé. Et puis même l'acte de disparition, il dure que 10 secondes. Hein, donc un jour, je ferai aussi une meilleure vidéo sur les... Enfin, une vidéo sur les meilleurs yokai avec l'âme sournoise. Ok. Bon, l'avantage de mon merci, c'est que du coup... Mon merci, n'essaie pas de le jouer avec l'âme, avec le rayon de lune. Hein, c'est trop chaud. Le problème c'est qu'il est beaucoup trop lent pour utiliser le rayon de lune et puis même vu qu'il a pas d'attaque d'esquive et il peut pas esquiver et garder son boost. Voilà, ok. Bon l'âme ultime je vais l'utiliser sur fond pansement, je pense qu'on va faire juste le super en... Je suis pas sûr qu'on fasse ultra en vrai. Après bon moi les yokai voyageurs dans le jeu je pense que vous avez vu que je les aime plutôt bien, hein. Panjasan j'en avais parlé il y a pas si longtemps que ça. C'est pareil avec Genio. Donc un jour on les fera tous hein. De toute façon les yokai voyageurs dans ce jeu, contrairement à Kabash 2 ils sont tous bons en soi. Hein. Parce que Krakatoa il est bon. C'est un super tank en vrai parce qu'il a beaucoup d'esprit. Ok voilà. Ok donc on va tester toutes les attaques. Donc attaque puissante. 2600 et la ultime. Waouh, c'est quand même pas mal. Bon, vous voyez c'est quand même pas mal. Bon en tout cas j'espère que je vais vous donner envie de jouer mon merci en vrai. Hein. Bon. Voilà quoi. Bon, voilà. C'est vrai que c'est pas le meilleur yokai mais bon. Peut-être que pendant le live de tout à l'heure, on verra peut-être des mon merci en online. Dans tous les yokai voyageurs, je vais tous les présenter. En fait, genre, le but de la série où je présente chaque yokai, c'est de présenter tous les yokai du jeu,
même les petits yokai qui peuvent encore évoluer, bah voilà quoi. Même les yokai les plus forts, bah c'est sympa de les montrer parce que peut-être qu'il y en a qui commencent le jeu et qui savent pas trop quels sont les yokai les plus forts. Ok, bassin de gros dos. Et on a une orbe. On a 3 orbes ultra même. Bah au pire n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel yokai vous voulez que je fasse pour le prochain épisode de cette série. Mais en vrai c'est pas vraiment une série hein, mais voilà quoi. Bon, on va pas regarder s'il y a des gens online et puis bon bah on va s'arrêter là. C'était Zungatin pour tout bien, je vous dis à la prochaine, ciao.